Et salut à tous, c'est Aquatex. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu GTA V Online pour vous montrer comment avoir les gilets de protection de couleur sur toutes vos tenues, tout simplement, les amis. Du coup, avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. À liker si la vidéo vous plaît et à partager cela, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord si vous avez besoin d'aide pour vos tenues ou pour vos missions. Le lien du serveur sera en description, les amis. Une fois ceci dit, revenons tout simplement à la manipulation. Du coup, si vous faites cette manipulation, vous allez perdre toutes vos tenues sauvegardées, sauf celles que vous avez sur vous avant de commencer le glitch. C'est du codage, les amis, je tiens à vous le préciser. Du coup, il va vous falloir la mission, le point G ou bien profil bas. Je vous ai laissé les liens des missions en description. Vous allez ajouter celle qui vous plaît en favori à travers le Social Club et vous allez redémarrer votre jeu et vous l'aurez dans votre... vous l'aurez dans vos favoris, tout simplement, les amis. Une fois ceci dit, vous devez être en session sur invitation pour éviter de vous faire tuer par d'autres joueurs. Une fois tout ceci préparé, vous êtes prêt tout simplement pour la manipulation. Du coup, let's go, c'est parti, les amis. Allez, hop, une fois prêt comme moi, on va tout d'abord faire option. On va dans en ligne, activité, jeu activité, créé par Star. On va descendre dans les missions. On va lancer la mission Un travail de titan. On va confirmer les paramètres et lancer la mission en solo. Du coup, on y va. Une fois dans la mission Travail de Titan, vous allez tout simplement ouvrir le téléphone et vous allez quitter l'activité. Du coup, on y va, on quitte l'activité. On aura ensuite un chargement et on va respawn en session tout simplement. Une fois que vous allez respawn en session, vous allez refaire option. Vous allez dans en ligne. Cette fois-ci, vous allez sur changer de personnage. Et on va accepter le message d'alerte tout simplement, les amis. On accepte le message, on aura ensuite un chargement avec une montée dans les airs et on aura un écran noir et on va spawn tout simplement dans les choix des personnages. Une fois dans les choix des personnages, vous allez prendre votre personnage secondaire tout simplement. Du coup, on y va, on sélectionne le perso secondaire. Ensuite, on aura un message d'alerte qui va s'afficher. On va accepter le message et on va respawn dans l'éditeur des personnages. Une fois dans l'éditeur des personnages, vous allez tout simplement dans sexe, vous allez changer le sexe, vous allez prendre le sexe de femme. Très important. Ensuite, vous allez sauvegarder et continuer. On se retrouve une fois arrivé sur notre personnage féminin, les amis. Une fois arrivé sur notre personnage féminin, vous allez vous rendre tout simplement dans un magasin de vêtements. Vous allez entrer. Vous allez au niveau des accessoires. Vous allez retirer tout accessoire, bracelet, boucle d'oreille, chaîne. Ensuite, vous allez dans la catégorie des gants. Vous allez mettre les motoclets forêt 32 sur 72. Une fois les avoir équipés, vous allez au niveau des pantalons, flèche de droite, vous allez dans les pantalons de sport, on va mettre le ample léopard 1 sur 5 en 4. Une fois l'avoir équipé, on va ensuite au niveau des chaussures, du coup on y va, on fait la flèche de droite au niveau des chaussures, on va dans la catégorie des baskets, on va équiper le 2 sur 18, basket montagne unie rose. Une fois l'avoir équipé, vous allez ensuite au niveau des hauts, du coup on y va. On fait la flèche de droite au niveau des hauts. On va dans la catégorie des blousons de sport. Et dans cette catégorie-là, on va équiper tout simplement la doudoune vert haut. C'est le 73 sur 84. Une fois l'avoir équipé, on reste au niveau des hauts. On va dans la catégorie des t-shirts rentrés. On va équiper le t-shirt pêche pixel 71 sur 92. Ensuite, on va faire carré. On va sauvegarder au premier emplacement. Ce t-shirt va nous donner tout simplement le gilet de protection rose. Une fois l'avoir sauvegardé au premier emplacement, on va tout simplement équiper le prochain t-shirt, le t-shirt gris pixel 72 sur 92. Ce t-shirt va nous donner tout simplement le gilet de protection violet. On va faire carré, on va la sauvegarder au deuxième emplacement. Du coup, une fois la sauvegarde terminée, on va tout simplement descendre tout simplement sur le 73 sur 92, le t-shirt vert pixel. On va faire carré pour la sauvegarder au troisième emplacement. Ce t-shirt va nous donner tout simplement le gilet de protection orange. Ensuite, on va prendre le dernier, le t-shirt marron pixel 74 sur 92. Et on va faire carré pour la sauvegarder tout simplement au quatrième emplacement. Ce t-shirt va nous donner le gilet de protection vert. Et on va la sauvegarder au quatrième emplacement. Une fois avoir sauvegardé les quatre tenues, vous allez vérifier que vous avez bel et bien sauvegardé les quatre tenues comme moi sur le gameplay. Une fois la vérification terminée, vous allez tout simplement faire pavé tactile. Vous allez suicide et vous allez vous suicider tout simplement. Vous allez avoir une cinématique comme quoi votre personnage est mort.
Ensuite, on aura un écran noir avec un petit rond de chargement et on va se prendre en session. Une fois en session, vous allez faire option, vous allez dans en ligne éditeur, vous allez lancer le mode éditeur. Dans le mode éditeur, vous allez créer une course terrestre, vous allez remplir les formulaires, titre et description, vous allez faire type de parcours, vous allez mettre parcours, vous allez placer la zone d'activation et les points de passage à 1 km et vous aurez juste à tester la course. Une fois la course testée et terminée, vous aurez ce message, vous allez accepter et vous allez spawn dans l'éditeur de course. Une fois dans l'éditeur de course, vous aurez juste à faire option, vous allez dans en ligne, choisir personnage, vous allez accepter le message. Ensuite, vous aurez un chargement et vous allez spawn dans les choix des personnages. Une fois dans les choix des personnages, vous allez veiller à bien sélectionner votre personnage femme et vous allez faire carré pour la supprimer. Et vous aurez tout simplement un chargement et vous allez tout simplement avoir le message d'alerte suppression du personnage GTA Online. Vous allez patienter et vous allez respawn dans le choix des personnages. Une fois avoir respawn dans les choix des personnages, comme moi sur le gameplay, vous aurez juste à faire rond et vous aurez une déconnexion de la session avec un petit rond de chargement. Vous allez spawn en mode histoire. Une fois en mode histoire, vous aurez juste à faire option, vous allez dans en ligne, jouer à GTA Online et vous allez lancer une session sur invitation. Vous aurez par la suite un chargement accès à GTA Online. Du coup, on patiente le chargement. Ensuite, on va tout simplement spawn en session avec notre personnage du mode online comme moi sur le gameplay. Une fois votre spawn, vous allez tout simplement entrer dans le magasin. Vous allez sauvegarder la tenue que vous ne voulez pas perdre au dernier emplacement. Du coup, on la sauvegarde. Pour ma part, c'est le jogger vert. Je vais la sauvegarder au dernier emplacement. Une fois la sauvegarde terminée, on va tout simplement pouvoir faire nos tenues. Vous allez faire une tenue sans codage, n'importe quelle tenue de votre choix. Ensuite, vous allez pouvoir transférer les gilets de protection sur votre tenue. Pour ma part, je vais juste mettre un haut, n'importe quel haut. Vous pouvez mettre n'importe quel haut de votre choix. Pour ma part, je vais mettre un maillot de course tout simplement. Et je vais transférer un gilet de protection. Vous allez voir comment ça marche. Vous pouvez prendre une tenue et tout simplement transférer le gilet de protection. Du coup, on va faire option en ligne, activité, jeu, activité. On va dans les favoris. Et dans les favoris, on va dans les missions. On va lancer tout simplement la mission le point G. Dans les paramètres de la mission, vous allez mettre tout simplement tenue, vêtements, tenue de joueur, très important. Vous allez ensuite inviter votre ami. Une fois qu'il aura rejoint, vous allez lancer et vous allez spawn ici. Une fois ici, vous allez pouvoir faire la flèche de droite sur tenue possédée et vous allez voir que vous pouvez mettre un gilet de protection de votre choix. Il y a le rose, le violet, le orange et le vert, tout simplement les amis. Vous allez pouvoir les transférer sur vos tenues. Vous faites une tenue sans codage et vous la transférez sur votre tenue. Ça dépend de vous, tout simplement les amis. Pour ma part, je l'ai transféré sur un maillot de course. Du coup, on se met prêt, on patiente que la mission se lance. Qu'on y va en patient. Une fois dans la mission, vous allez avoir votre tenue avec votre gilet de protection. Ensuite, vous allez tout simplement vous rendre à votre appartement. Du coup, on se retrouve une fois arrivé. Une fois arrivé à l'appartement, vous allez entrer par le petit cercle bleu. Vous aurez un chargement avec une montée dans les airs. Ensuite, vous allez spawn dans l'appartement. Vous aurez juste à vous diriger vers l'espace personnel et vous allez au niveau des vêtements. Vous allez faire la flèche droite et carré. Vous allez sauvegarder votre tenue dans un emplacement. Du coup, on sauvegarde la tenue. Ensuite, on va pouvoir tout simplement ouvrir le téléphone et quitter l'activité. Du coup, on quitte l'activité. On aura ensuite un chargement et on va respawn en session. Une fois avoir respawn en session, vous allez faire pavé tactile style tenue. Vous allez remettre la tenue que vous avez sauvegardée dans la mission et vous aurez votre tenue avec le gilet de protection de votre choix. Vous allez pouvoir faire ainsi pour les autres. Vous allez prendre une tenue que vous voulez, une tenue soit rose. Vous allez transférer le gilet de protection rose. Vous allez faire une tenue sans codage soit violet. Vous allez ensuite transférer le gilet de protection violet. Ça dépend de vous. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager cela. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, moi, je vous laisse sur ce gameplay, sur ces images. C'était Aquatex. Allez, go la team. À la prochaine pour de toutes nouvelles vidéos. Ciao les amis. Bang, bang.